que vous soyez là. Ouais. Vous pouvez vous mettre là-haut, vous pouvez prendre un café si vous voulez. Et on va tous rentrer en même temps dans la salle. Eh bah, au top. Une équipe qui ira plus loin jusqu'au championnat du monde. Mais c'est chouette de voir qu'il y a autant de dégustateurs intéressés par cette première édition. Je vous rappelle, le cépage vaut 10 points. Si c'est un assemblage, il faut ne noter qu'un seul cépage. Notez pas plus, sinon vous aurez 0 point. Et il sera noté en fonction du pourcentage dans l'assemblage. Donc en gros, si c'est un Merlot Cabernet, il y a 70% de Merlot, vous notez Merlot, vous avez 7 points. Si vous notez Cabernet Sauvignon, alors qu'il y a 30%, vous avez 3 points. Si vous notez n'importe quoi d'autre, vous avez 0. Il y a 5 points par pays. Bon, là, il n'y a pas d'équivoque. Ensuite, 5 points par appellation. Là, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est 5 points si vous notez toutes les informations sur l'appellation. Je vais faire un exemple sur la Bourgogne. Vous notez Nuit Saint-Georges, vous avez 5 points. Vous notez Côte de Nuit, vous avez 4 points. Vous notez Bourgogne, vous avez 3 points. Voilà, tout ça dans quel vernissage. Oui. Millésime, c'est 3 points. Par contre, si vous n'avez pas le bon pays, c'est 1 point. C'est pas mal aussi. Il y a 5 éléments, évidemment le sol, la vigne, la topographie, personne n'y pense à la topographie de la vigne, le climat qui est le plus important et le facteur humain. Des Signois, on était la première équipe qui a fait ce genre d'exercice il y a une quinzaine d'années en arrière. Il n'y avait même pas besoin de faire une sélection parce qu'on était la seule équipe à participer, donc c'était facile. On est allé directement en finale, c'était à Bruxelles cette année-là, et on s'est classé 3e. J'espère que l'équipe qui est sélectionnée aujourd'hui fera mieux. Ça, c'est le trophée qui est remis
à l'équipe gagnante. Dessus, donc, vous avez l'inscription champion de Suisse 2021, dégustation à l'aveugle. Et ici, tous les sponsors. Un vin de la région de Lavaux, de Chardonne, emblématique pour la maison Brice, c'est la Cœur à Talence Rouge 2019 que vous avez, qui est un assemblage Gamay, Galota, Merlot et Diolinois. Allez-y pour l'apéritif dînatoire qui vous attend, c'est un bon moment. Merci pour tout ça. Merci. Et rappelez-vous, vous êtes même pas à mi-chemin, c'est le début d'un chemin. Donc il faut bosser quoi.